أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، سلام الله عليكم. نلتقي من جديد من خلال فيديو جديدة لنواصل سلسلة شرح وحل دروس وتمارين الثلاثي الثالث. Page 146. L'impératif présent pour exprimer une consigne. فعل الأمر للتعبير عن توجيهات أو إرشادات. J'observe le texte. Consigne d'utilisation d'un panneau solaire. إرشادات استعمال الألواح الشمسية أو ألواح الطاقة الشمسية. Avant de procéder à la mise en service de votre kit solaire, il convient de lire les consignes suivantes. قبل البدء في استعمال الجهاز الطاقة الشمسية يجب عليك اتباع الإرشادات التالية. Pensez à éteindre les appareils quand vous ne les utilisez pas. تذكروا اطفاء جميع الأجهزة التي لا تستعملونها. Assurez-vous que le panneau photovoltaïque est propre. Si besoin, et lavez-le à l'eau claire. تأكدوا من أن اللوحة الشمسية أو لوحة الطاقة الكهروضوئية أنها نظيفة. إذا احتاج الأمر أو لم تكن نظيفة اغسلوها بالماء الصافي l'eau claire. Avant toute utilisation, laissez la batterie se charge complètement. قبل الاستعمال اتركوا البطارية تمتلئ عن آخرها. Merci de bien tenir compte des consignes d'utilisation. شكرا لكم لاتباعكم إرشادات الاستعمال. On passe aux questions. J'analyse le texte. Que faut-il faire avant la mise en service du kit solaire? La réponse est avant la mise en service du kit solaire, il faut lire les consignes indiquées dans le texte. قبل البدء في استعمال جهاز الطاقة الشمسية يجب اتباع الإرشادات الموجودة في النص. Deuxièmement, à quel temps conjuguer les verbes soulignés dans le texte? في أي زمن الأفعال مصرفة؟ Les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au présent de l'impératif ou à l'impératif présent. الأفعال المسطرة في النص مصرفة في صيغة الأمر. Que troisièmement, que remarques-tu? Là, on remarque que il n'y a pas de pronom, يعني الفعل لا توجد قبله ضمائر. وكذلك نلاحظ أن الفعل مصرف مع le deuxième personne du pluriel اللي هو vous. Voilà. يعني هنا لا يوجد ضمير. الضمير الذي معتاد نصرف معه الفعل لا يوجد. Voilà. J'espère que c'est bien clair. Je retiens. Les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au présent de l'impératif. الأفعال المسطرة في النص مصرفة في صيغة الأمر. On utilise le mode impératif pour exprimer une consigne, une interdiction, un ordre ou un conseil. نستعمل صيغة الأمر للتعبير عن une consigne اللي هي توجيهات أو إرشادات. Une interdiction, liée à l'mena ou une nahie,
un ordre, amra, ou un conseil, liya, nasiha. L'impératif ne se conjugue qu'à trois personnes, mais le sujet n'est pas exprimé. صيغه الامر تصرف فقط مع ثلاث ضمائر و لو سوجي اللي هو كومون دي الفاعل غير موضح او غير موجود فوالا تصرف مع لو دوزيام بيرسون دو سينغولير les rois tu, première personne du pluriel nous, deuxième personne du pluriel vous. Voilà. هنا الفعل يصرف فقط مع tu, مع nous و vous. Les terminaisons des verbes à l'impératif sont pour les verbes du premier groupe, c'est E, O, N, S, E, Z. Voilà. هنا نلاحظ نهاية أو la terminaison pour le pronom tu, c'est E, pas ES comme d'habitude. Voilà. مع tu, ندع E, مع nous, ندع O, N, S, مع vous, ندع E, Z. هذا فيما يخص أفعال المجموعة الأولى. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Afal, majmoua thania, les terminaisons sont, ou nihayat l'afal, ça koune IS, binisba, le damir tu, I2S, ONS, binisba, le damir nous, I2S, EZ, بالنسبة للضمير vous. Voilà. Pour les verbes du troisième groupe, c'est S pour tu, ONS, بالنسبة للضمير nous, EZ, بالنسبة للضمير vous. Sauf des cas particuliers. باستثناء حالات خاصة. يعني توجد أفعال لديها نهايات خاصة. De toute façon, on verra ça dans les activités. Bon, ici on a les verbes avoir et être à l'impératif présent. C'est les auxiliaires avoir et être في صيغة الأمر. عندنا avoir c'est et ayant ayez هذا تصريف l'auxiliaire avoir في صيغة الأمر être c'est soit soyons soyez avoir c'est et ayant ayez être soit soyons soyez. On passe à la page 147. Activité numéro 1. Souligne les phrases dont les verbes sont conjugués au présent de l'impératif. نسطر عن الجمل التي يكون الفعل فيها مصرف في صيغة الأمر. Numéro 1. Utiliser l'énergie solaire, c'est plus écologique. هنا نلاحظ الفعل هو utiliser هنا مصرف مع troisième personne du deuxième personne du pluriel pardon هنا مصرف مع الضمير vous وكذلك الضمير عفوا لا يوجد donc c'est conjugué ce verbe est conjugué en mode impératif. Deuxièmement, il faut savoir que le pétrole est une matière très polluante.
هنا الفعل مصرف مع الضمير il donc c'est pas il n'est pas conjugué au présent de l'impératif. La phrase suivante. Sache que les fermes éoliennes vont se multiplier dans le sud algérien. Dans la hydrona, le verbe sache, c'est le verbe savoir. لا يوجد ضمير وهنا القصد من الجملة إرشاد أو توجيه donc c'est le verbe est conjugué au présent de l'impératif. La dernière, protégeons notre environnement en polluant moins. Le verbe protéger c'est conjugué avec nous. C'est la terminaison en NS et il n'y a pas de pronom. Donc, c'est conjugué au présent de l'impératif. On a مصرف في صيغة الأمر لأنه لا يوجد ضمير. وكذلك نفهم من معنى الجملة أنه يعبر عن نصيحة. بهذا نفهم كيف نفهم صيغة الأمر ولا لا يوجد ضمير وكذلك القصد من الجملة. Activité numéro 2. Complète le tableau suivant. نكمل الجدول التالي. Présent de l'impératif infinitif. المطلوب هنا توجد أفعال مصرفة في صيغة الأمر. المطلوب أن نبحث عن المود انفينيتيف أو نجد الأفعال في صيغتها الغير مصرفة. Donc, on a soit comme on a vu, c'est l'auxiliaire être au présent de l'impératif. Donc, l'infinitif c'est être. Prenez, c'est le verbe prendre. Obéissez, c'est le verbe obéir. Ayant, c'est l'auxiliaire avoir. Fait, c'est le verbe faire. Protège, c'est le verbe protéger. Dites, c'est le verbe dire. Écrivant, c'est le verbe écrire. Économiser, c'est le verbe économiser avec ER à la fin. De toute façon, vous allez trouver les réponses dans cette vidéo. Activité numéro 3. Mets les verbes des phrases suivantes au présent de l'impératif. Avec le deuxième personne du singulier et du pluriel. نضع الأفعال أفعال الأفراز pardon نضع أفعال الجمل التالية في صيغة الأمر هنا المطلوب هنا نصرفها مع le deuxième personne du singulier اللي هو tu et du pluriel اللي هو vous. Donc هنا هذه الأفعال نصرفها أولا مع tu ثم نصرفها مع vous. Voilà. La première phrase. Ne jette pas de sac en plastique dans la nature. Ne jette pas. Voilà, c'est le verbe jeter. Noctubuhu, D-T-E. Avec vous, c'est ne jetez pas de sac en plastique dans la nature. Voilà. Deuxième phrase. Ne chauffe pas trop les habitations en hiver. Avec vous, c'est ne chauffez pas trop les habitations en hiver. Huna, maratu, la terminaison c'est e, maravou c'est ez, parce que c'est un verbe du premier groupe. Voilà, troisième phrase, économisez l'eau en préférant la douche au bain. Économiser, c'est avec tu, c'est
économise avec E à la fin et avec vous c'est économiser avec EZ à la fin. Voilà. Et la dernière phrase, c'est le verbe éteindre. Éteindre la chaudière avant de partir en vacances. Éteindre, nous arrivons à faire ce l'amr, c'est yakoun éteint. تكتب S à la fin et هذا مع الضمير tu. مع vous, c'est éteignez la chaudière avant de partir en vacances. على كل حال ستجدون الإجابات مكتوبة حتى يسهل عليكم فهم التمرين. Voilà. On passe au dernier exercice. Écris en t'aidant du dictionnaire. اكتب بالاستعانة بالقاموس. Rédige deux ou trois consignes pour inciter à l'utilisation des panneaux solaires. انشئ جملتين او ثلاثة فيها ارشادات او نصائح لاستعمال لي بانو سولير او الالواح الطاقة الشمسية. هنا لدي مثالين. Premièrement, utilisez les panneaux solaires car ils ne sont pas polluants. استعملوا الالواح الشمسية لانها غير ملوثة. Deuxième exemple, installant des panneaux solaires sur les toits de nos maisons et de nos bâtiments. نضع الألواح الشمسية فوق أسقف منازلنا. Voilà, ce sont des exemples. Aussi, ils sont écrits avec les réponses. Voilà, وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي التلاميذ. أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أتمنى التوفيق للجميع.